Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, Jésus est puissant.
c'est Jésus-Christ, la mère qui me parle. En lui, j'ai eu la vie. Je suis allé à la source d'eau qui bleue où j'habite le château. Je n'ai plus une soif. Oui, moi j'ai trouvé Jésus-Christ, l'homme qui me parle. En qui j'ai eu la vie. Je suis allé à la source d'eau vive d'où j'ai bu de cette eau. Je n'ai plus une soif. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus-Christ, l'homme qui me parle. En lui j'ai eu la vie. Je suis allé à la source d'eau vive où j'ai bu de cette eau. Je n'ai plus une soif. Oh, moi j'ai trouvé Jésus-Christ, l'homme qui me parle. En qui j'ai eu la vie. Je suis allé à la source d'eau vive d'où j'ai bu de cette eau. Je n'ai plus une soif. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus-Christ, l'homme qui me parle. En lui j'ai eu la vie. Je suis allé à la source d'eau vive où j'ai bu de cette eau. Je n'ai plus une soif. En lui j'ai eu la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. Je l'ai eu en Jésus. En lui j'ai eu la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Je l'ai eu en Jésus. En lui j'ai eu la joie. La joie, la joie, la joie, la joie. Je l'ai eu en Jésus. En lui j'ai eu la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Je l'ai eu en Jésus. En lui j'ai eu l'amour. L'amour, 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 l'amour. Je l'ai eu en Jésus. En lui j'ai eu la vie. La vie, la vie. La vie, la vie, je l'ai eu en Jésus. J'ai trouvé Jésus-Christ, l'homme qui me fallait, en qui j'ai eu la vie. Je suis allé à la source d'eau vive, d'où j'ai bu de cette eau. Je n'ai plus une soif. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus-Christ, l'homme qui me fallait, en lui j'ai eu la vie. Je suis allé à la source d'eau vive, d'où j'ai bu de cette eau. Je n'ai plus une soif. Je suis allé à la source d'eau vive d'où j'ai bu de cette eau. Je n'ai plus soif. J'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus-Christ, l'homme qui me fallait. En lui j'ai eu la vie. Je suis allé à la source d'eau vive d'où j'ai bu de cette eau. Je n'ai plus soif. En lui j'ai eu la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. Je l'ai eu en Jésus. En lui j'ai eu la paix. La paix, la paix. Jésus. En lui j'ai eu la joie. La joie, la joie, oh, la joie, la joie. Je l'ai eu en Jésus. En lui j'ai eu l'amour. L'amour, l'amour, oh, l'amour, l'amour. Je l'ai eu en Jésus. En lui j'ai eu la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. Je l'ai eu en Jésus. En lui j'ai eu la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Je l'ai eu en Jésus. En lui j'ai eu la joie. La joie, la joie, la joie, la joie. Je l'ai eu en Jésus. En lui j'ai eu la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. Je l'ai eu en Jésus. Il y a beaucoup de dieux, mais Jésus est le véritable Dieu. Il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de Dieu.
Allez, ma fille, on a regardé toi. Hein? Sini kana benaye,
Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, vous qui de près ou de loin qui nous écoutez ce soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si nous sommes là ce soir, pour te parler encore de la part de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Tu diras que déjà, on a déjà trop entendu parler de Jésus. Bon, peut-être ce sont les nouvelles chansons que des gens viennent chanter ici, on n'a pas encore entendu chanter. Prenons Jésus, comment on connaît Jésus? Alléluia. Amen. Mais il nous faut encore savoir beaucoup de choses parce que l'enfer est réel. Le ciel aussi pareil. Et il est temps que tu arrêtes tes distractions. Il est temps que tu arrêtes tes amusements. Il est temps que tu arrêtes ton tangoroya là. Et puis tu vas penser à ton salut. Parce que frère, nous sommes des êtres humains, on ne vit pas pour toujours. Non, on ne vit pas pour toujours. L'homme est mortel, l'homme n'est pas immortel. On n'est pas éternel. Et laisse-moi te dire qu'après cette vie que tu es en train de vivre là, il y a une autre vie où il y a une autre mort. C'est pourquoi ce soir, nous sommes là pour te parler de la part du donateur de vie. Celui-là qui peut te donner la vie. Plusieurs disent, moi je vais à l'église, j'ai une église, moi j'ai mon église, moi je vais à l'église. Donc ça, ça ne me concerne pas. Très souvent, quand ils voient des gens en train d'évangéliser, ils sont déjà chrétiens. Et ils sont sûrs de leur salut. Donc, quand on parle encore de Jésus, ça dérange leurs oreilles. Quelqu'un qui aime déjà Jésus, qui va déjà à l'église. Alors, lorsqu'on est en train de parler de Jésus, tu dois être content. Lorsqu'on est en train de parler de Jésus, là encore je vais écouter, peut-être que je vais encore apprendre, puisqu'on sait qu'on ne finit pas d'apprendre. Mais il y a des gens qui n'aiment pas et qui n'aiment pas écouter. Ils aiment se baser sur ce qu'eux ils connaissent, leur propre raisonnement, leur propre sagesse. Or la Bible dit en Proverbes chapitre 3, le verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Lorsque nous voyons jour et nuit des gens autour de nous. Toutefois, vous qui venez vendre au marché ici, vous voyez toujours des voisins. Vous voyez toujours des voisines. Et que le marché fonctionne toujours. Quand on sort au goudron, les voitures passent tout le temps. Les êtres humains ne font que défiler. On se dit que c'est comme ça, la vie va rester. Alors qu'on ne va pas finir sur la terre et la vie va continuer. Mais néanmoins, nous voyons qu'il y a des gens au milieu de nous. Il y a des êtres. On a des semblables au milieu de nous ou à côté de nous qui meurent. Jour et nuit, les gens meurent. Mais ces personnes qui meurent là, ils ne viendront pas te dire dans ton rêve que ici là tout va bien, sur la terre, il y a trop de souffrance. En fait, tu vas mourir, tu vas nous rejoindre ici. Après la mort, là, il y a un jugement. Et la Bible dit dans Hébreux 9, le verset 27 que, et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Et après quoi? Vient le jugement. Frère, on ne vit pas pour toujours.
Sœur, maman, on ne vit pas pour toujours. Et les temps sont finis. Quand vous voyez sans repos, des hommes de Dieu dans les marchés, dans les coins des rues, on va voir maintenant, même sur les réseaux sociaux, et il y a partout des petits enfants de 4 ans, de 5 ans, des enfants en train de parler de la part de Dieu, en train de prêcher. Ça ressemble à de l'amusement. Mais bien aimé, ce que tu refuses d'entendre actuellement, que Jésus revient bientôt, et tu dis que oh, Jésus, depuis on a dit qu'il va venir, nous on n'était pas encore, nos aïeux là, nos parents n'étaient pas encore nés, il va venir, il revient quand? Tu ne sais pas que c'est à cause de ton incrédulité là que le Seigneur Jésus n'est pas encore venu. Mais néanmoins, il est à la porte. Il attend à ce que tu te repentes, afin que lui, il descende. C'est par amour que le Seigneur n'est pas encore venu. Si le maître a laissé la maison et a dit prenez soin, prenez-en soin, et il est parti en déplacement, il a laissé des tâches. Il a dit voici comment vous devez vous comporter dans ma maison. Voici comment vous devez vous comporter pour qu'au retour je puisse vous récompenser. Si le maître part et que de loin il sait ce qui se passe à son absence, mais oh, il veut venir trouver des serviteurs, des servantes obéissants qui sont dans les droits que lui veut. Mais par amour, il veut rester à l'écart d'abord, afin que vous rangez ce que vous avez arrangé. Vous rangez ce que vous avez arrangé, ce que vous avez gâté avant qu'il revienne. Alors Jésus, dans son amour, veut venir trouver des gens repentis. Il veut venir trouver des personnes qui ont pris conscience que la prostitution peut les envoyer en enfer. Le Seigneur Jésus veut venir trouver des personnes qui ont pris conscience que le mensonge peut les faire perdre leur salut. Le Seigneur Jésus veut venir trouver des personnes qui sont en train de se repentir. Ça peut ne rien te dire, parce que d'ailleurs, la vérité a toujours chatouillé l'oreille de l'incrédule. Mais l'enfer ne saurait te chatouiller. Là-bas, tu vas pleurer. Frère, l'enfer est réel. Tous ceux que vous voyez dans les rues en train de prêcher Jésus et puis ils courent sur eux jusqu'en là. Tu vas approcher là, demander là, il a vu quoi et puis il vient parler de Jésus. Vous allez trouver que la plupart de ceux là qui tiennent le micro ou même à voix sec ou avec des mégaphones dans leurs mains en train d'évangéliser. Ce sont des gens, par leur expression, tu vois qu'ils sont un peu lettrés. Donc quelque part, il a été élève. Et parmi ceux-là que vous voyez en train d'évangéliser, il y a des professeurs, il y a des instituteurs. Ce ne sont pas des vannes-pieds. Et mais pourquoi tout le temps tu entends répands-toi, sors de tel péché, sors de tel péché. Ce n'est pas de l'amusement. Et on ne peut pas t'étrangler pour te faire croire forcément ce qu'on est en train de te dire. Mais on t'avertit simplement, c'est à prendre ou à laisser. Regardez, les temps sont finis. Et bien aimé, nous voulons vous dire ceci. C'est qu'il est temps pour toi qui es dans l'alcool, d'abandonner l'alcool et de te consacrer à Dieu. Parce que les temps à venir ne seront pas de bon temps. Les temps à venir ne seront pas bons. Il est temps que tu quittes la distraction afin de t'accrocher au Seigneur. Il est temps que tu quittes dans la pornographie afin de te consacrer à Jésus. Il est temps que tu quittes dans le concubinage, dans le gros écart, et que tu t'accroches à Jésus. Il est temps que tu quittes dans les marmailles, tu quittes dans les broutages, et que tu t'accroches à Jésus. Parce qu'il y a un propriétaire à cette vie-là que tu es en train de vivre. Il y a un propriétaire. Il y a un propriétaire à cette vie. Il y a un propriétaire à cette vie. Et pour que tu aies la vie, il faut que tu t'aies réellement donné au Seigneur Jésus. Pour que tu aies la vie, il te faut comprendre que les temps sont finis. Il faut que tu apprennes à savoir que le monde dans lequel nous vivons
jusqu'à ce que le Dieu bientôt. Le ressuscité de Dieu bientôt. Le roi des rois de Dieu bientôt. Que je sois à ma chia de Dieu bientôt. Ma saba de Dieu bientôt. Ma tigre de Dieu bientôt. Le maître des temps et des temps, le maître des temps et des circonstances. Il revient bientôt. Que tu le crois ou pas. Et le Seigneur Jésus est la paix. Maintenant, il n'y a aucune religion qui peut te suivre. La religion n'a jamais suivi. La religion, c'est quoi? C'est le fait de porter le nom de Dieu. Et avant le nom de Dieu, tu me fais ce que tu veux. La religion, tu sais, c'est quoi? C'est le fait d'avoir le nom de Dieu dans ta bouche. T'amuser avec le nom de Dieu. Tu peux connaître le nom de Dieu dans toutes les langues. Tu peux savoir parler toutes les langues. Tu peux avoir même peut-être parler de Jésus. Tu peux même avoir des miracles où tu as témoigné que c'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La religion nous sauve. C'est qui sauve? Ou c'est lui qui sauve? Le donateur de vie. Le salvateur. Le sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle le roi des rois. Et il est temps que tu saches que de la même manière que ta voisine a perdu la vie la fois dernière, la même manière que tu as entendu quelqu'un a fait accident, tu as vu au goudron, quelqu'un a fait accident devant toi, la même manière, tu peux aussi perdre la vie. Est-ce que vous allez remarquer que quand on a l'argent, quand on soit pasteur, quand on soit prophète, qui qu'on soit, il n'y a pas une manière classe de mourir pour ceux-là qui sont les hommes de Dieu. Pour les pasteurs, non? Comme ils sont les pasteurs, ou bien comme ils ont de l'argent, et ils doivent mourir sous climatiseur. Et ils doivent mourir dans l'avion à l'air. Peu importe le lieu où tu vas mourir, on va te faire descendre en bas et on va t'atterrir. On n'a jamais enterré le président dans les airs, dans l'avion. Ça n'a pas existé. Même quand on va t'enterrer avec ta voiture, le sable va te toucher. Et même si on t'a tellement sécurisé, que le sable ne t'a pas touché, ton corps va pourrir. L'homme n'est pas éternel. La jeunesse, vous n'avez pas vu que la jeunesse, il y a un temps d'enfance, il y a un temps d'adolescence, il y a un temps de jeunesse et il y a aussi un autre temps de vieillesse. Et des gens pensent qu'on vit pour toujours. Comme nous, on est encore jeunes. On pense que les vieilles n'ont pas fait la vie, c'est pourquoi elles ont vite vieilli. Mais laisse-moi te dire, c'est pas tous les jeunes d'ailleurs qui vont avoir la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine ou même avoir 80 ans. Et de nos jours, la Bible nous dit dans l'Ancien Testament que les plus robustes auront que 70 ans. Ceux-là qui vont arriver même à 70 ans, là, sont rares. Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, la jeunesse meurt comme des gens qui boivent de l'eau empoisonnée? Oui, parce que d'ailleurs, ce temps-là, c'est un temps empoisonné. Les temps sont mauvais. Oui, les temps sont mauvais. Et le maître de toutes choses revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Moi qui te parle, comment est-ce que je me retrouve aujourd'hui en train de parler de Jésus? Mais ça, c'est un miracle. Moi j'étais un bandit avant. J'étais un voleur avant. Un vagabond. Lui, je te parle de moi, mais je ne te parle pas de quelqu'un d'autre. Moi qui tiens le micro en train de parler de Jésus. Moi et Jésus n'avait rien à voir avant. J'étais un bandit avant, un voyou, un vagabond, un voleur. Ici même à Daloa. Et mais, quand on me parlait de Jésus, ça ne m'intéressait pas. Quand on me parlait de Dieu, ça ne m'intéressait pas. La même manière que tu te comportes aujourd'hui quand on te parle de Jésus. Et peut-être que toi tu n'auras pas le temps, ou tu n'auras pas cette grâce-là de te repartir après et de parler de Dieu aux autres. Parce que plusieurs, on a vu des personnes sur les lits des hôpitaux à qui on a prêché l'évangile. Ils disent que moi, je ne peux jamais donner ma vie à Jésus. Les instants qui ont suivi, il est mort. On a vu des personnes, c'est lorsqu'ils étaient à un doigt de la mort qu'ils ont accepté Jésus. Ils ont eu la vie. Donc, tu peux te baser sur le passage de Ephésiens chapitre 7, verset 8 qui dit que. Mieux pour la fin d'une chose que son commencement. Donc toi là, tu attends la fin, c'est le commencement, tout le monde est pressé. C'est pas toi là, tu seras le dernier chrétien de la famille. Quand tu vas à l'église, on te dit, tu as tué. Est-ce que tu sais combien de jours même qu'il reste à vivre, frère?
Est-ce que tu sais combien de jours il te reste à vivre, soeur? Je vais t'annoncer que moi j'ai été comme toi. Peut-être que j'étais plus incrédule que toi. Plus voyou, plus têtu. Plus arrogant et orgueilleux. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir la vie. Aujourd'hui, le Seigneur me fait la grâce d'être son serviteur. Mais la fois dernière, moi j'étais un bandit, un voyou. J'étais un moqueur des pasteurs. J'étais un moqueur des pasteurs. Tout ce que je voyais, en train de parler des Jésus comme ça, il dit, mais attends, lui d'abord, on le paye combien et puis il transmet comme ça devant les gens. Vous ne pouvez pas voir déjà. Il a quel temps? J'avais de ces mots-là, avec mes amis et on se peut faire. Mais, il est arrivé un jour, où sont les bandits? Si on parle à la maison, ça ne rentre pas. Nous les bandits, nous les pratiquants des armes à feu. Nous les bandits, si on parle, ça ne rentre pas. Mais il a failli que un jour, un petit mal de tête me prenne un matin. Et jusqu'à 18h, voici je vais connaître la mort. Oui frère, c'est au cœur, on dit non, quelle personne est morte, elle est revenue à la vie. Et que le Seigneur, elle dit qu'elle a vu son père, elle a vu ceci, elle a vu cela. Et qui ne croyait pas, vous ne croyez pas à la mort et à la résurrection. Je vous donne un passage. Là, le verset 25 dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Et quand même il sera mort. Dans le Seigneur dit qu'il est le résurrecteur. Lui il est la résurrection. Lui il peut ressusciter les morts. Et moi tout ce que vous parlez, j'ai expérimenté pour là. Quand j'étais encore en train de 5e, j'étais là l'évangélisation. Et le Seigneur me fait la grâce en fait dans une cour. Oui, maman avait la fille de la douleur. On avait tous les médicaments, les compilés. L'enfant même avait des. Quand tu touches l'enfant, ce sont des jetons de compilés seulement. Elle avait un petit sachet de pharmacie qui était rempli de médicaments. On a tout pris les médicaments, l'enfant était resté pâle et l'enfant mourait. Mais quand je suis arrivé dans la cour, c'est là que l'enfant est mort. C'est là que la petite fille va mourir. Dans la main de sa mère. Mais elle ne savait pas que l'enfant était mort parce que l'enfant avait encore le corps chaud. Et le Seigneur me dit aujourd'hui, je vais faire un miracle au travers de tes mains. Et je vais prier pour l'enfant. Et jusqu'à ce que je sois trempé de sueur, un puissant moment d'adoration, la mère tremblait sur elle. Je lui ai dit de fermer la bouche. Et dans la prière, le Seigneur va permettre que l'enfant, alors qui était, puisque quand j'ai senti cela, j'ai rattrapé l'enfant. Mais l'enfant, le corps de l'enfant était totalement glacé quand moi je l'ai pris maintenant. Et dans la prière, le Seigneur va me dire, mets la main sur sa poitrine et demande le nom à sa mère. Appelle le nom de l'enfant 3 fois. Il faut crier son nom et invoque mon nom. N'aie pas peur, cet enfant va se réveiller. Et j'ai prié pour l'enfant. L'enfant qui était déjà mort, qui avait déjà rendu l'âme, l'enfant était ressuscité. Si tu ne sais pas que Jésus ressuscite, Jésus peut ressusciter. Mais il ne va pas te ressusciter, toi, l'incrédule, qui a attendu la mort. Peut-être que toi, d'autres veulent aller d'abord, ils veulent mourir et puis aller voir l'enfer, venir témoigner comme les autres avant d'accepter Jésus. Cette grâce-là, elle n'est pas donnée à qui que ce soit. Mais pas pendant qu'il est temps, il faut te répentir. Pendant qu'il est temps, il faut donner ta vie à Jésus. Quand il dit, tu t'écoutes, peut-être que tu es chrétienne. Il y a une chrétienne qui m'écoute. Il y a des chrétiens qui sont de passage. Oui, même que tu sois chrétien, ce que je dis, ça te concerne. Parce que regarde ceci. La Bible dit dans Matthieu chapitre 17, le verset 21. Que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui le seul qui fait la volonté de Dieu. Et il est dit au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là. Il s'agit de quel jour? Il s'agit de quel jour? Il s'agit du grand tribunal du Seigneur Jésus, du jugement dernier. Et Matthieu 7, verset 22 dit, plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Elohim, Adonai, El Shaddai, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Matthieu 7, le verset 23, il dit,
aussi. Le Seigneur Jésus répond. Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Or, iniquité veut dire quoi? C'est le péché. L'iniquité, c'est le péché avec sa propre conscience. Je t'affirme ce soir que le Seigneur est en train de faire grâce à des mystiques en train de se convertir. Des sorciers sont en train de se convertir. Des francs-maçons sont en train de se convertir. Des bandits et voleurs comme nous sont en train de se convertir pour venir te parler. Si tu n'écoutes pas, laisse-moi te dire qu'il n'y aura pas de sciencement après la mort. On dit faut sciencer, faut sciencer. Viens, père, faut sciencer. On ne sciencera pas après la mort. La repentance et le sciencement là, c'est sur la terre. Au ciel, on ne parle pas nous-ci. Je t'informe. Au ciel là, on ne parle pas nous-ci là-bas. Dans ton nous-ci-là là, il faut donner ta vie à Jésus. Parce que moi aussi, je suis un ancien nous-ci. Un ancien grand abréviateur. Mais aujourd'hui, Yeshua m'a fait grâce. Yeshua m'a fait grâce. Et comme j'étais étudiant, j'étais encore élève. Et que j'étais bien à l'école. Et que j'avais une petite connaissance. Et que je savais comprendre le cours. J'étais lettré, ou je suis lettré. Cela faisait de moi un arrogant et un orgueilleux. Comme aujourd'hui, plusieurs, ils sont juste en classe de troisième, comme ils comprennent un peu d'anglais là. On ne peut pas les parler. Ils sont juste en terminale, comme ils vont avoir bac, on ne peut pas les parler. Ils sont des étudiants. À cause de ton étudiant là, ils pensent qu'on ne peut pas te parler. Même président meurt, fils de président même là, si président meurt, imaginez son fils. Toi, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Conseil à la maison, te donne, ça ne rentre pas. On te donne dans la rue, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça, partout, personne ne peut te parler. Surtout quand tu n'es pas d'accord avec le sujet. Un grand raisonneur, un grand discoureur. Écoute très bien. Les temps sont finis. Et le Seigneur Jésus est à la porte. La réunion de famille avec papa, c'est bientôt. Et le papa dont il s'agit du Seigneur Jésus. La réunion de famille, là, il sait bientôt. La dernière réunion de papa avec ses enfants. Où les fidèles seront récompensés. Et ça se passera dans la salle des noces. Où les fidèles seront récompensés. Où ceux-là qui auront obéi à l'Éternel seront récompensés. Je vais te dire quelque chose. Je vais te parler maintenant. De manière terre à terre. Regarde, quand la Bible dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Quand il dit Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est les bouddhistes? Est-ce que c'est les musulmans? Est-ce que c'est ceux-là qui adorent, qui sont les serviteurs de Baï, qui sont les serviteurs de Krishna? Est-ce que ce sont des rosicriciens? Est-ce que ce sont des sorciers? Ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, dont le Seigneur dit qu'il est direct, qu'il ne le connaît pas, c'est ceux-là qui ont connu le nom de Jésus. Alors d'où les chrétiens? C'est ceux-là qui se disent qu'ils vont à l'église et qu'ils n'ont pas aussi, oui, à l'arbre de vie. Mais cependant, laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas tous ceux qui disent le nom de Jésus. Entrerons dans le royaume des cieux. Non. Vous n'avez pas remarqué que même ici sur la terre, ce n'est pas tous ceux qui vont à l'école au bout de l'année. Ils sont admis à la fin de l'année. Être chrétien n'est pas suffisant pour dire que tu seras sauvé. Être pasteur, ce n'est pas déjà dit que tu as le ticket du ciel. Ou tu as la clé de la porte du ciel. Non. Je vais te dire
le nom de Jésus sauve. Mais ce n'est pas tous ceux qui prononcent le nom de Jésus qui entreront au ciel. Ce n'est pas tous ceux qui croient connaître Jésus qui entreront au ciel. Parce que d'ailleurs, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 4, que ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu et qui n'obéissent pas à ses commandements, en réalité, ce sont des menteurs. Alors vous savez que de vous avant, vous savez que les menteurs n'entreront pas au ciel. Il est temps que tu sortes de l'esclavage. Quand tu dis que tu vas à l'église, mais tu as des boucles dans tes oreilles, comme une esclave, tu as des pendants d'oreilles, tu as des chaînes au cou, tu as des fausses cheveux sur la tête, et tu te proclames chrétienne. Et tu te proclames chrétienne. Nous ne sommes pas venus te dire que l'église là où tu vas, non, ça ne sauve pas. C'est la nôtre qui sauve. Non. Nous sommes venus te dire que c'est la parole de Dieu. Nous sommes venus te dire que est déjà là. Le Père est à la porte. Jésus de Nazareth est à la porte. Et tous ceux qui veulent entrer au ciel, c'est le temps de se repentir, de se réconcilier avec le Créateur, de se repentir, de se réconcilier avec le Créateur, car les temps sont fous. Car les temps sont fous. Femme, les temps sont fous. Homme, les temps sont fous. Et Seigneur Jésus est bien bien. Le Seigneur Jésus est à la porte. Le Seigneur Jésus est à la porte. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez, il y a la marche en train de parler de Jésus. Approchez-vous d'eux et demandez-le. Et vous dites que Jésus va revenir. Il va revenir. Il revient quand? Parce que nos parents, depuis nos ancêtres, je ne sais pas quelle génération maintenant, ont entendu que Jésus vient. Il n'est jamais venu jusqu'à présent. Quand il s'appelle quelque chose, ne publie pas de raison pas. Il faut juste te demander. Et quand tu es dans Aoko, femme comme garçon, laisse-moi te dire que dans Genèse 38, si tu as ta Bible à côté, tu peux vérifier. Genèse 38, le verset 10 par là. Il y a un gars du nom de Onan qui était un frappeur d'Aoko. Et pour lui, là, vous savez comment il fait? C'est ce qu'aujourd'hui, plusieurs font même dans leur foyer. Plusieurs font dans leur concubinage, dans leur copinage et dans leur vie de débauche. C'est qu'il avait d'abord un grand-père qui était méchant aux yeux de Dieu. Et donc Dieu l'a fait mourir parce que sa méchanceté avait débordé. Et Onan, qui était le petit frère de son grand frère qui s'appelait Er, Onan, son papa lui a dit, bon, comme ton grand frère, il n'avait pas de bon comportement, Dieu l'a tué, donc toi il faut prendre sa femme. Et il faut aller avec sa femme pour que tu puisses donner une descendance à ton grand frère. Et là-bas, là, on va mettre ton nom de grand, on va mettre le nom de ton grand frère dessus. Onan, sachant que cet enfant-là n'allait pas de sa postérité, alors Onan va coucher avec la femme de son frère, et le temps de l'éjaculation, Onan éjacule par terre. Cela détruit à l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors, il est temps, plusieurs disent, ils se disent chrétiens, mais tu es encore dans le mensonge. Tu es encore dans la commérage. Tu es encore dans la patpatoya. Tu es encore dans un peu de garçon, beau et gars. Tu cherches les garçons te cherchent, vous cherchez, ça ne finit pas. C'est vrai, le sexe là est fait pour ça. Mais le sexe là n'est pas fait pour que ça soit utilisé dans le désordre. Dieu a donné le sexe afin que ça se trouve dans le foyer. Deux personnes réellement reconnues devant les deux côtés des parents, qui ils ont fait les deux, ils se sont mariés avant d'aller ensemble. Aujourd'hui, le sexe est devenu bonbon. Est devenu bonbon mango. On achète à 50 francs pour la queue. Le sexe aujourd'hui est devenu gâteau.
vous, le sexe, c'est pas ce quoi c'est devenu. Le sexe est devenu de l'amusement. On a nos jeunes petites soeurs qui sont au sien d'eux. Elle a 14 ans. Elle a déjà 3 gars. Maman parle à la maison, tu ne l'écoutes pas. Elle est juste en 6e. Écoute déjà avec son professeur. Quand on parle, il y a un. Maman, j'explique petit. Toi aussi. Quand vous voyez là, tu te passes. Parce que tu as poussé quelque chose sur ta poitrine. Tu as plein de seins. Écoute-moi très bien. L'impolitesse, à cause de l'impolitesse, il y a plusieurs enfants qui sont versés en enfer. Je te parle d'une réalité. C'est avant, on ne savait pas que. On disait que, mais attends, après l'enfer, mais qui est mort, aller voir là-bas et puis venir nous informer. C'est avant, on disait ça. Va sur les réseaux sociaux, même ici à Daloa. Je ne suis pas le seul à dire ça. Ici à Daloa, il y a la maman auquel le Seigneur s'est révélé. Le Seigneur lui a montré l'enfer. Elle n'est même pas maman, ma soeur. Elle dit c'est pour ça de l'église. Il y a des personnes qui ne passaient pas à l'église, à qui tu as révélé l'enfer. On courait un bon matin pour venir à l'église. On dit que, pasteur, voilà ce que j'ai vu. L'enfer est réel. Il est temps que tu penses à ton salut. Après la mort, là, il y a une autre mort qui est l'enfer. Après la mort, là, après cette vie, là, il y a une autre vie qui est le paradis. Frère, toi qui es dans les Tangoréas, il y a la coiffure de fou sur ta tête. Que tu appelles, c'est toi qu'on appelle ça. Que tu appelles drogue ou que tu appelles l'os. La coiffure que tu as sur la tête. Tu vas te repentir de ça et donner ta vie à Jésus. Et si tu crois être déjà chrétien, parce qu'aujourd'hui on attend nos églises, des soi-disant instrumentistes, ce sont les chantres de l'église. Elles chantent bien, mais regarde sur sa tête. Coiffure la fait là, mèche dans sa tombe sur son mollet. Il chante bien, c'est un instrumentiste, c'est un batteriste, c'est un pianiste, c'est un guitariste. Il a une coiffure de bon malé. Il a une coiffure, je ne sais pas, hein, une coiffure de tout qui a la patte. Ils ont une coiffure bizarre. Si tu veux garder les cheveux, ou faire afro comme j'ai fait, il faut le garder. Et quand tu vas garder aussi, et puis tu mets les traits dedans. Les traits que vous mettez dans vos cheveux là, tu sais le trait là, ça signifie quoi? Le trait que tu as mis là, qu'est-ce que ça signifie? Si un enfant naît aujourd'hui avec une tête où il y a trait dedans, où la partie, la cheveux ne pousse pas, et que autour la cheveux pousse, mais lui, le trait qu'on met aujourd'hui là, lui il est né avec pour lui. La maman va dire l'enfant là, il n'est pas clair. Tu t'as donné une tête normale, qui t'a te coiffer, et tu rases autour, et puis tu laisses ça au milieu. Des coiffures en forme de crête. Vous connaissez crête? Crête là, c'est ce qui est sur la tête de coq là. Et qui a les trucs rouges sur la tête de coq là, on n'a pas sa crête. Et des gens ont des coiffures comme ça. Des punks, des tectoniques, des deux taux piqués, des deux taux arrêtés, deux taux plats, deux taux marchands. Frère, il est temps que tu te répandes des coiffures bizarres aussi. Il y a longtemps, on a parlé de l'amour de Jésus. Oui, Jésus est amour. Mais n'importe qui n'entrera pas dans son royaume. Il y a longtemps, on a dit Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Donnez vos vies à Jésus. Tu as trop entendu ça dans le marché là. Mais il est temps qu'on te dise aussi que Jésus n'aime pas les mèches. Jésus n'aime pas les faux cheveux. Oui, faux cheveux. Il est temps qu'on te dise que les collants que tu portes. Et quand tu marches, tes fesses se balancent de part et d'autre. 8-9, 8-9, pour séduire des hommes. Et tout le monde te comprend au bord de la route. Il est temps de te dire aussi que tu vas te repentir de ces choses. Pourquoi ta vie? Il est temps que tu saches qu'au ciel, n'importe qui n'entrera pas là-bas. Regardez ici. Vous n'avez pas regardé que même sur la, vous n'avez pas remarqué que même sur la terre, ici à Daloa, au tribunal là, à la justice là, pantalon, femme, rentre pas là-bas avec pantalon. Même que tu sois garçon, on rentre pas là-bas en jean. On rentre pas là-bas avec n'importe quel accoutrement. Mais aujourd'hui, dans nos églises, où on dit Dieu est là, où on dit Jésus-Christ est là, où on dit le roi des rois est là, où on dit le Messie est là, où on dit le maître des terres est là, où on dit l'adorateur ou l'adorable est là, là où on dit qu'il y a un Dieu de sainteté, dans nos églises aujourd'hui, nous voyons les femmes en pantalon jean, nous voyons les femmes en n'importe quel vêtement. L'église de Dieu est devenue maintenant boîte de nuit. L'église de Dieu est devenue boîte de nuit. Des pasteurs avec les coiffures sur lesquels on dirait des fous. Mais ils ont des fidèles. Des pasteurs avec des coiffures tectoniques, avec des coiffures pink, avec des dreadlocks. Et quand tu grands, ce sont mes propres cheveux. Ça ne gâte rien. Laissez-moi vous dire que les temps sont finis. L'enfer est réel.
l'enfer est réel. Aussi tangora que tu sois aujourd'hui, aussi bandit que tu sois aujourd'hui, frère, aussi voyou que tu sois, petit frère ou grand frère, laisse-moi te dire quelque chose. Là, hein, le voyousisme, le banditisme et tout ça de comportement que nous pouvons avoir aujourd'hui, ça se termine sous la terre. L'homme n'est pas éternel. J'ai vu trois messieurs à Abidjan en train de marcher comme ça au bord de la route. Et il y a l'un, à la partie des piétons, où les piétons passent ici, au goudron comme ça. Et ils étaient dans le machin en causant. Lui qui était au milieu là, et c'est comme si son pied a été un caillou. Il est parti comme ça. Et il est tombé. Il a voulu se relever. Il est tombé. Puis trois ans quoi, il est tombé. On le soulève, c'est son cadavre. Dieu ne regardera pas un coin classe pour t'enlever le souffle. Il y en a vu des pasteurs qui étaient lâchés avec le micro en main, en train de prêcher sur l'enlèvement, en train de prêcher sur le retour de Jésus. Il est resté arrêté. Le micro est tombé, il est tombé, Il est mort en plein kit. La mort ne doit pas te faire peur, parce que à tout le coup, on va passer par là. Sinon, le premier coup, c'est vrai, n'allait pas mourir. La mort ne doit pas te faire peur. Mais ce qui doit nous faire peur là, c'est où tu vas aller après la mort là, c'est ça qui fait peur. Sinon, les choses sont déjà faites. Mais ce qui fait peur, où ira ton âme après la mort? C'est ça le problème. On vit aujourd'hui, on ignore qu'on peut mourir comme notre voisin. On ignore qu'on peut mourir comme ceux-là qui sont morts autour de nous. Tu penses que c'est à cause de ta gentillesse que tu as envie? Tu penses qu'à cause de ce que tu manges les bonnes choses et que tes enfants travaillent, c'est pour ça que tu as envie? Tu penses que c'est à cause de ta bonté, ou à cause de ta beauté, ou à cause de ton éloquence, à cause de je sais pas de quoi, de tes moyens que tu as envie? C'est pas à cause de tes moyens que tu as envie, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Oui, c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous tient, toi et moi en vie. Lorsque les hommes ont la vie, ils oublient que Dieu existe. Lorsque les hommes ont la vie, ils oublient l'existence de Dieu. Lorsque les hommes sont en bonne santé, ils ont un peu d'argent pour s'habiller, pour manger. Ils oublient qu'il y a un créateur, qu'il y a un donateur de vie. Écoute très bien. L'homme n'est pas éternel. Peu importe ce que tu peux avoir, l'homme n'est pas éternel. L'homme est mortel. Oui, l'homme est mortel. Tu n'as pas vu qu'il y a un temps où tu avais 10 ans. Aujourd'hui, tu as 15 ans. Tu n'as pas vu qu'il y a un temps où tu étais jeune. Aujourd'hui, tu es en train de pousser tes pas blanches. Tu n'as pas vu qu'il y a un temps où tu n'étais rien. Aujourd'hui, tu es à un autre niveau. On n'est pas pour retourner à notre petitesse, mais on est en grandi. Il y a un temps pour toutes choses, n'est-ce pas? Il y a un temps où tu n'as plus. Et il y a un temps où tu as grandi. Et aujourd'hui, tu es à ce stade. Vous allez remarquer que tout le monde a déjà entendu parler de Jésus. Mais écoutez ceci. La Bible dit qu'avant que le Messie n'arrive, tout le monde aurait entendu parler de lui. Tout le monde aurait déjà entendu parler de lui. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes à faire le temps, tous ont déjà entendu parler de Jésus. L'être humain, quand il est en bonne santé, il mange bien. Et il est à l'aise avec sa famille. Quand on lui parle de Jésus, il dit quittez devant moi, je vais passer. Mais quand tu t'en vas le trouver après à l'hôpital, il fait pitié. On ne dirait pas l'orgueilleux, l'arrogant qui était dans le quartier. Tu nous faisais croire qu'il est immortel. N'attends pas le malheur pour te réconcilier avec Dieu. N'attends pas le malheur pour t'accrocher à ton Créateur. N'attends pas le malheur pour t'accrocher à Yahvé. N'attends pas le malheur pour t'accrocher au maître des maîtres. Toi qui es encore dans la cigarette, toi qui es encore dans la drogue, il est temps que tu arrêtes ces choses et que tu donnes ta vie à Jésus. Si quelque part, tu es même chrétien et que tu n'arrives pas à arrêter, oh, on était aussi esclaves de ces choses avant. On ne savait pas comment arrêter. D'autres aujourd'hui sont dans les églises, ils fument en secret. Quand même il a confessé au pasteur, le pasteur a prié mais rien n'a changé. Frère, sors de cette église et cherche la délivrance. Car là où le Seigneur Jésus se trouve, il ne peut pas avoir quelqu'un, il ne peut pas avoir l'enfant de Dieu qui a décidé d'obéir à Dieu, qui a décidé de marcher selon Dieu et pour qui on va prier. Donc le Seigneur Jésus ne va pas prendre le plaisir de lui délivrer. Les temps sont finis. Les temps sont finis.
Repends-toi de la cigarette. Repends-toi de la drogue. Les narines ne sont pas des champements. Non, les narines ne sont pas des champements. Les narines, là, c'est pas pour respirer dedans. Les narines ne sont pas pour respirer dedans. Et Dieu veut que il tue ton corps pour la peur. Le Seigneur veut que tu tues ton corps pour la peur. Pourquoi? Parce que les temps sont finis. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Femme, les temps sont finis. Chère maman, éduquez bien vos enfants. La Bible dit, dans Romains chapitre 22, le verset 6, que instruit l'enfant selon la voie qui va suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Ah. Nos enfants aujourd'hui, dès les bas âges, si c'est un petit garçon, maman a fait des coiffures, souvent des crêtes sur la tête. Maman a fait des coiffures de pénaux sur sa tête, des coiffures de violon, des coiffures qui n'étaient pas de masse gradelle. Et quand l'enfant va grandir avec les trucs de violon, il va commencer à serrer les coiffures. Pourquoi à la maison? Vous allez dire que l'enfant là, on ne sait pas où le tuer. Chère maman, éduquez bien vos enfants. Chers parents, éduquez bien vos enfants. Car les temps sont finis. Il y a des enfants qui se retrouvent en enfer à cause de la mauvaise éducation ou à cause de la politesse, l'éducation à leurs parents. Il est temps que tu saches que le Messie revient bientôt. Depuis longtemps, les pasteurs nous ont menti. Depuis longtemps, on avait aussi menti à la personne. On avait beaucoup menti à les gens. On a beaucoup menti aux gens. Les gens nous ont beaucoup menti. Il est temps que tu connaisses la vérité. Jeune soeur, il est temps que tu connaisses la vérité. J'étais ici la fois dernière. J'ai parlé de ça. Je vais répéter ceci. Les pendants, quand vous appelez boucles d'oreilles, vous mettez dans les oreilles. Arrêtez les boucles d'oreilles là. Dieu appelle ça les pendants d'oreilles. Tout celles qui mettent des pendants d'oreilles, appelez boucles d'oreilles. Et j'irai en enfer. Ça veut me pousser à me lapider. Mais va lire la Bible dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Tu vas trouver de quoi je parle. Va lire dans le livre de Deutéronome chapitre 15, le verset 15 à 17. Arrêtez avant là, celle-là, ou ceux-là qui portaient les boucles d'oreilles étaient des esclaves. C'était des esclaves qui portaient les boucles d'oreilles. Parlez dans Deutéronome chapitre 15, le verset 15 à 17. Tu verras. C'est les esclaves qui devaient demeurer dans la maison de leur maître. Ces personnes, on devait porter des boucles d'oreilles. On devait percer l'oreille. Mais quand on va laisser ma faire des boucles d'oreilles d'abord. Tout est venu après le percer l'oreille ou percer le corps. Lévitique chapitre 19, le verset 28 dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Incision, ça veut dire percer ou déchirer. Quand on perçait les oreilles là, on a déchiré, on a percé. Et ce que les femmes prennent pour percer les oreilles là, elles appellent ça aiguille. Elles ne connaissent pas son vrai nom. Son vrai nom là. Le vrai nom de cette aiguille là, quand on prend. Le talon de l'aiguille va vous baisser les oreilles. Ça s'appelle poinçon. Et le Seigneur dit, lui, ses servantes-là ne sont pas des esclaves, parce que c'est les esclaves qui vont baisser les oreilles. La deuxième catégorie de personnes dont les oreilles étaient baissées, c'était des prostituées. Et c'est par ces signes à l'époque qu'on reconnaissait les prostituées. Veille sur ta vie. Pense à ton salut. Pense à ton salut. Les temps sont finis. J'ai dit, pense à ton salut. C'est ainsi que les gens étaient préoccupés. Des gens faisaient ce qu'ils faisaient. Ils étaient vraiment occupés à leurs différentes tâches. Et le déluge est venu. Quand Noé a parlé, les gens n'ont pas écouté. Le déluge est venu. Et voici, ils étaient surpris de la chose. Ils étaient surpris.
Les femmes aujourd'hui, en pantalon. Les pantalons n'ont plus été pour les hommes. Les femmes en pantalon. Tiens ça, tiens maman, repends-toi. Elle dépose les pantalons. Va prendre ta jupe. Va prendre ton bagne. Va prendre ta robe. Les pantalons ne sont pas faits pour les femmes. Tu n'as pas vu que depuis le début, quand tu portais les pantalons, il t'a fallu un bon moment pour que tu sois habitué. Parce que quand tu portais, tu avais honte. Quand tu portais, tu avais tous les problèmes d'être à l'aise avec. Et on t'a encouragé. Toi-même, tu t'es encouragé. Et aujourd'hui, tu es devenu porteuse de pantalons officiels. Ah, la Bible dit, dans Deutéronome 22, le verset 5, une femme ne portera point de vêtements d'homme. Les pantalons sont faits pour les hommes. Répentez-vous. 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 Car le royaume des cieux est proche. Car les temps sont finis. Les temps sont finis. Et le Seigneur Jésus est à la porte. Il ne viendra pas chercher des femmes avec des pendants d'oreilles. Appelez boucles d'oreilles. Il ne viendra pas chercher des chrétiens ou des chrétiennes. Des chrétiennes dans des collants, dans des cyclistes, dans des dessous sexy. Ce n'est pas ces personnes qui viendra chercher. Car notre Dieu est saint. Il s'appelle le Dieu de sainteté. C'est lui. C'est lui. C'est lui que nous voulons servir. Alors quand on vient adorer le Dieu de sainteté, on doit penser à ressembler à ce Dieu-ci. Il est temps que tu prennes conscience. Il est temps que tu te lèves et que tu penses à te repentir. Il est temps que tu te lèves et tu penses à la repentance. Il faut que tu commences à te réconcilier avec ton Créateur. Car les jours qui viennent sont mauvais. Regardez, vous voyez, à cause des petits filles qui vont commencer. Les gens sont en train de courir. Ça te dépasse pas de la maison. Mais ce qui nous attend après la mort, ça, c'est plus que ce que tu es en train de fuir ce soir. Le retour du maître de la maison, c'est bientôt. Le retour du maître de la maison, c'est bientôt. Laisse-moi te dire que Mahomet n'a jamais sauvé. Il n'y a aucun autre nom qui a sauvé. Le bouddhisme n'a jamais sauvé. Il n'y a aucune religion qui peut te sauver. Il n'y a que le nom de Jésus. La Bible me dit, dans Actes 4, verset 12, il n'y a aucun nom qui peut nous sauver. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes à lequel ou à l'invocation duquel on peut avoir la délivrance ni le salut. Et des gens sont préoccupés. Des gens se lèvent le matin. Ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Ce qui les intéresse, ce qui les importe, c'est leur volonté. Que le Seigneur te bénisse. Une autre chose que je vais te dire, ce par quoi je vais terminer, c'est que ça. Sache que plus que tu n'es pas éternel, toi et moi nous savons très bien que nous ne sommes pas éternels. Tout le monde peut avoir un extrait de naissance. Mais personne n'a de maladie de mort. Nous savons quand, où, à quelle heure. Quand ou à quelle heure il va mourir. Les temps sont finis. Bien aimé, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Il y a des gens qui disent que tout le monde va mourir. Donc pendant que je suis en vie, je dois profiter de ma vie. Tout le monde va mourir. Dans la mort là. Hein? Quand on est peur, on n'a pas peur, on va mourir. L'homme même là, l'homme ne tue plus. Je vais aussi t'informer que
La mort, c'est vrai. Ce n'est pas ça le problème. Comme nous savons que nous allons mourir, on n'a pas peur de quelque chose. Même à moi. Est-ce que tu sais? Mais après la mort, il y a une autre mort, il y a une seconde mort qui est l'enfer. Après cette vie, quand tu auras vraiment obéi à ton Créateur, il y a une autre vie qui est le ciel. C'est la paix de Dieu. Sois avec toi. C'est comme ça le retour du Seigneur. C'est comme ça le retour du Messie nous surprendra. C'est comme ça qu'on verra le ciel bizarre. Il n'y a pas de grondement de tonnerre. Il n'y a pas de grondement de tonnerre. Il n'y a pas de mouvement pour nous pour que la pluie vienne. Mais la pluie qui frappe. C'est ainsi que le Messie nous surprendra. Je vais vous faire un peu de temps.